Hello les Wonners, on est lundi, il est 19h, c'est l'heure de Lolo. Lolo qui vous présente le Be The One Live du soir de 19h, quoi, truc normal de tous les jours. Donc ce soir, nous allons jouer sur un thème éminemment sympathique que sont les marques. Et honnêtement, je pense qu'on a encore été vraiment sympa avec vous parce qu'il n'est pas très 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 difficile. Si vous avez un tout petit peu de culture dans les marques, bien sûr. On a fait un super week-end samedi, merci à tous. On n'a pas réussi à atteindre le challenge de 1000 joueurs dans la partie pour multiplier par deux les cagnottes, mais on a eu plus de 1000 gagnants, des montants moyens extrêmement sympas pour chacun d'entre vous. Merci d'être là, merci de votre fidélité et merci de parler tous les jours de Be The One sur les réseaux sociaux pour qu'on soit de plus en plus nombreux à jouer ensemble. Donc ce soir, c'est 100 € dans la cagnotte. L'objectif reste le même, 400 points à marquer pour être éligible et vous partager cette somme. Pour cela, vous devez répondre correctement à 9 questions qui vont de difficultés simples à fortes. 10 points pour les premières, puis 20, puis 40, puis 80, puis 100. Vous avez 4 jokers pour vous aider, 2, 50, 50, 1 x 3, 1 x 5. Et bien évidemment, pour ceux d'entre vous qui allez réussir le top magnifique, génial exploit de faire le super méga sans faute en utilisant le x 3 et le x 5 sur les deux dernières questions, et bien vous atteignez 960 points et vous partagez 50 € supplémentaires. Vous êtes là pour jouer, vous êtes là pour gagner de l'argent. Alors c'est parti les Wonners, question numéro 1. Quelle boisson est connue pour contenir du ginger ale, une sorte de soda au gingembre? Est-ce Canada Dry, 7-Up, Fanta ou Ginny? Alors je ne voudrais pas donner une sorte d'indice, mais ça ressemble à de l'alcool. Ça a le goût de l'alcool, mais ça n'est pas de l'alcool parce que ça contient du ginger ale. Cette sorte de soda au gingembre. Et la bonne réponse, ben, c'était le Canada Dry. Et là, je regarde les stats et je me dis, ah, et ben pourtant, vous êtes 33%, on va penser que c'était Ginny. Mais non, Ginny, c'est autre chose. Rappelez-vous, Ginny, c'est pas ça du tout. C'est un petit goût de citron. C'est pas comme de l'alcool qui a le goût de l'alcool et qui n'est pas de l'alcool. Et qu'on peut boire sans modération, bon, à part pour les kilos. Bref, c'est une marque d'origine canadienne et ses sites de production aujourd'hui sont au Texas. Pourtant, il n'y a pas eu de taxe de Trump dessus. Bon, allez, 62% de bonnes réponses. Matt Damon, 10 points. Ivan Houlette en tête avec 30 points pour l'instant. Et hop, là, on attaque tout de suite la deuxième question. Quelle marque de surf a été inspirée pour son logo par une estampe japonaise? Est-ce Oxbow, Quicksilver, Rip Curl ou Rusty? La marque de surf inspirée pour son logo par une estampe japonaise. Oxbow, Quicksilver, Rip Curl ou Rusty. J'en profite pour faire un petit coucou personnel à Alexandre Malch, le fondateur de Melty, qui s'est reconverti aujourd'hui dans le surf et qui nous ravit sur les réseaux sociaux de ses exploits surf et qui en plus vient d'avoir un enfant. Donc bienvenue au petit Malch et félicitations aux parents. Alors, vous êtes combien? Vous êtes 52% à avoir trouvé la bonne réponse. Il s'agit de Quicksilver. Le logo Quicksilver est inspiré d'une estampe d'Okusei ou d'Okusai, je ne sais pas, qui représente une vague avec une montagne en arrière-plan. Xian 57, 50 points. Je sens le x5 sur une question à 10 points. Bien vu pour sécuriser, pour atteindre plus facilement les 400 points, pour être éligible à la cagnotte. Ouh, il y a un joueur qui a fait une belle remontée. Bah, c'est toi, Xian. Bravo. Vous êtes déjà 37, enfin pas 37, il y a déjà 37 jokers 50-50 utilisés et seulement 2 x 5. Bravo à tous. On attaque la 3. Quelle marque de café avait pour emblème un serveur noir avec un turban sur la tête? Était-ce Negresco, est-ce Nicorée, Melitta, Barista? Quatre marques qui font toutes du café. Negresco, Ricorée, Melitta ou Barista. Laquelle de ces marques avait pour emblème un serveur noir avec un turban? C'est une marque d'ailleurs d'origine marseillaise vendue à Jacques Vabre dans les années 70. Et je pense que seuls les plus anciens d'entre vous la connaissent et s'en rappellent. Vous êtes 66%, 65% à avoir donné la bonne réponse. Il s'agissait de Negresco. Et c'est Ose Jandalka qui réalise le meilleur score, 120, 100 points sur cette question. Pendant que Marion me dit dans l'oreillette: Ah, Laurent, je n'ai pas encore les stats, mais c'est pas grave, on s'en fout. Moi, je les ai sur l'iPad, donc au moins, je peux les donner plus vite aux joueurs. Mais je sais que tu ne peux pas les afficher. Chers amis, on attaque la quatrième question, les Wonners. Allez. Laquelle de ces couleurs, là c'est pas facile, ne retrouve-t-on pas sur le logo de la marque Fanta? Est-ce la couleur blanche, la couleur noire, la couleur bleue ou la couleur orange? Alors déjà, s'il y en a un qui répond orange pour Fanta, vous savez, Fanta c'est une boisson à l'orange, en tout cas qui a le goût et la couleur. Donc si le logo il contient pas de orange, c'est quand même un peu bizarre. Mais non, ce n'est pas le orange la bonne réponse, je te le dis.
la bonne réponse de la couleur qu'on ne retrouve pas sur le logo de la marque Fanta, et on a vérifié 3 fois, et ben c'est pas blanc, blanc il y en a, bleu il y en a, orange il y en a, c'est noir qu'il n'y a pas sur le logo de Fanta. Et vous êtes 73% à avoir trouvé la bonne réponse. Alors elle existe aux arômes de pomme, orange et citron, elle a été créée en plus sous le Reich allemand. Maintenant c'est la propriété de Coca-Cola, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. 16, 100 points. Xian 57 en tête avec 100 points également, c'est bien. Allez, on avance dans ce quiz, on attaque la deuxième moitié avec cette question 5. Laquelle de ces personnalités n'a jamais, 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 jamais participé à une publicité pour la marque Pepsi? Est-ce David Beckham, Michael Jackson, Zinedine Zidane ou Madonna? L'un de ces quatre personnages connus, David Beckham, Michael Jackson, Zinedine Zidane ou Madonna, n'a jamais participé à une publicité pour la marque Pepsi. Donc nous avons deux footballeurs, un chanteur et une chanteuse. Alors, chers amis, chers Wanners, c'était bien évidemment Zinedine Zidane. Et vous êtes 64% à avoir trouvé la bonne réponse. Et le spot avec Michael Jackson, lui, il a été scellé puisque c'est là où il a fait brûler ses cheveux. Voilà, moi j'ai les miens, ils sont encore là, ils sont tout beaux, tout frisés, tout ça. Mais lui, plus de cheveux après, puis pas plus de cheveux. Bref, bah, allez, Palmer Cooper 6, 200 points, bravo à toi. Qu'est-ce qui a fait de belles remontées sur ce coup-là? C'est PTV qui a remonté de 163 places et en tête avec 260 points, donc Palmer Cooper 6, avec OC John Dalca 216 points juste derrière et Xian 57, 140 points. Vous vous rapprochez tous des 400 points pour vous partager les 100 euros que sont en jeu ce soir. Alors, question 6. Pour quel jus de fruits Richard Gottener a-t-il composé « Il y a des fruits, il y a de l'eau » Était-ce champomy, banga, oasis ou joker? Et moi, je donne mon joker. Et j'utilise mon 50-50 si je ne sais pas. Si je suis sûr, j'utilise mon x5 et j'appuie sur la bonne réponse. Et la bonne réponse pour « Il y a des fruits, il y a de l'eau » Bah c'est Banga, Banga de Richard Gottener, un grand moment de la musique, titre sorti en 1985 par Richard Gottener. Il en a écrit un des succès dans la pub. Je vous invite à les écouter pour la plus jeune génération qui ne connaisse pas ce personnage. Grand compositeur de musique et grand compositeur de musique de pub. Marie, 200 points. Palmer Cooper, 6. Tu continues. 380 points déjà, a priori. Plus que 20 points et un petit peu des 100 euros dans ta petite pochette. Allez, on attaque la 7. Dans quel pays la boisson gazeuse nommée Appelsine remporte-t-elle un franc succès? La Corée du Sud, l'Argentine, le Canada ou l'Islande? A priori, ça va être à base de pommes. Et sine, c'est le péché. Donc ce serait le péché de la pomme. Alors c'est une boisson gazeuse, le péché de la pomme, qui rencontre un franc succès en Corée du Sud, en Argentine, au Canada ou en Islande. C'est une boisson qui se vend par bouteille de 50 centilitres à laquelle on mélange du malt. Et c'est donc en Islande! Les Islandais, ces gens magnifiques et merveilleux qui font des oh oh, n'est-ce pas? Pendant les matchs de foot. 44% d'entre vous ont trouvé la bonne réponse, sinon les autres vous êtes égarés à 23% sur la Corée du Sud, à 17% sur l'Argentine, à 16% sur le Canada, mais pas Kiki 35, parce que Kiki 35, toi, tu as trouvé la bonne réponse, tu as marqué 400 points, donc je sens un 80 x 5, bravo, bravo. Lucia, 620 points, magnifique. Eh bien, bravo à tous, plus que 2 questions et nous connaîtrons les gagnants de ce soir. Question numéro 8, là ça devient plus dur. Quelle bière belge utilise comme slogan? Eh bien, une fois, les hommes, ils savent pourquoi. Donc je salue nos amis qui jouent en Belgique. Est-ce Jupiler, Maes, Stella Artois ou Gueuze? Laquelle de ces bières utilise comme slogan? Ben, les hommes savent pourquoi, une fois. Très mauvais mon accent belge ce soir. Peu importe. Cette marque, eh bien, je sens que vous êtes plutôt une grande majorité à trouver la bonne réponse, puisqu'il s'agit de Jupiler, et ne pas confondre avec Jupiter. Jupiter, vous savez, président, tout ça. Les hommes savent pourquoi ils l'ont élu, et les femmes aussi. Mais dernièrement, en tout cas, les campagnes publicitaires de Jupiler ont été un petit peu plus féminines, parce que ça posait problème pour la clientèle.
Donc 66% de bonnes réponses. Bravo à revoilà Phil Collins qui joue toujours ses jokes à la fin là, sur la 8 et sur la 9. Mais je vois que là, tu as utilisé ton x5 sur la 8 et pas sur la 9. Donc tu ne seras pas éligible pour la super méga cagnotte de 50 € supplémentaires. Topaz 18, déjà 780 points largement qualifiés. Allez, avant la Q9 qui est en tête. Donc Topaz 18, 780. Anso, 623. Michael, 620. Voilà déjà trois blazes qui vont pouvoir se partager les 100 boules de ce soir. Alors attention, hop, la Q9. Vous êtes prêts, vous êtes assis, c'est une date qu'il faut trouver. C'est en quelle année la marque de boisson Schweppes a-t-elle été créée? Était-ce en 1883, en 1783, en 1983 ou en 1683? En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'était en 83. Mais de quel siècle? Peut-être en 2083, parce que c'est une boisson du futur, n'est-ce pas? Comme dirait cette belle actrice qui jouait Do you want Have Schweppes with me. Hein? J'ai pas le même charme, pas le même glamour. Hein? C'est pas grave. Vous êtes 34% à avoir pensé 1883. Eh bien, vous vous êtes trompé. 7% 1983, c'était pas ça non plus. 6% 1683, non plus. La bonne réponse, 52% d'entre vous l'ont trouvé. C'était 1783. Et la date d'ailleurs figure sur le logo de la marque, visible sur les bouteilles aujourd'hui. Benjamin, tu nous fais le max de score à 960 points. Matt Damon, j'imagine, 500 points sur cette question. Et ben donc, on va pouvoir aller voir directo le classement final. Alors, le classement final, combien est-ce qu'on a de gagnants pour la méga cagnotte à 50 €? Oh là 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 là, faut que je descende loin. Vous êtes 25 à vous partager les 50 € de la cagnotte max à 960 points. Alors là, pour les 400, je dois descendre très très bas, très très bas, très très bas. Ah, très très bas, très très. Pas tant que ça. Vous êtes 101. 101 d'entre vous à vous partager 100 €. Donc vous repartez avec un petit peu moins d'un euro chacun. Parmi vous, il y a Bulin61, Dimji44, Gaëtan Moreto, Romain, Lucas Lemetz, Gaël, Matt TD6, Thibaut, Euphrasie, Tib G Voilan, Anthony, Gypsy Cola, Le Chat, enfin bref, bravo à tous. Ça veut dire que vous étiez un peu plus de 300, 400 à jouer, un peu plus de 100 gagnants. Vous êtes sur des ratios quand même vachement sympas parce que dans Be The One, en gros, vous avez une chance sur 3, enfin entre 30 et 40% de chances de gagner. Des brousouf. Je crois que c'est le taux le plus élevé qui existe dans les jeux de quiz en live. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire demain? Bah, demain, rendez-vous 19 h. Et je retente de gagner des pépettes. Le thème, ce sont les cheveux. Ça va être rigolo. Si Michael Jackson se joint à nous, ce sera peut-être encore plus facile et marrant. Bref, je vous dis à demain. Je vous embrasse les winners. Merci pour votre fidélité et continuez à rameuter du monde. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Je vous embrasse. Ciao, ciao.